93.1 Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin sur la radio Taxi FM à Lomé. C'est une nouvelle aventure qui commence, bien sûr, sur la radio. Et comme tous les jours, nous travaillons pour la beauté de l'information. Taxi Media Show, c'est aussi pour mieux comprendre l'actualité, écouter et lire ensuite. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi 19 mars 2018. Il est 7h presque 8 minutes sur la radio. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, le 7h, Rougator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Trois rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Togo Matin, le billet hebdomadaire Le Libéral et le site internet gapola.net. Le sport, tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon à Tikbo. On reviendra notamment sur les résultats des 16e de finale de la Coupe du Togo, disputée hier sur l'ensemble des stades en compétition. Et puis le professeur Cyr que nous retrouverons également, ce sera dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Taxi Media Show, Irrigator. Et avant de retrouver les rédactions, vous dire qu'il y a dans les kiosques ce matin le quotidien Liberté. Liberté qui revient sur la reprise des marches de contestation. La coalition annule les manifestations en attendant les émissaires de la facilitation, écrit le journal Tribune. Pourquoi les élections crédibles ne sont pas possibles en 2018 au Togo dans les conditions actuelles? Le journal revient sur le sujet. Puis sur un fait, des Nigériens braqués sur la route de l'aéroport de Lomé. Une importante somme emportée renseigne ce matin le journal. Et puis la santé, hôpital de référence d'accord, mais équipe équipement des centres existants d'abord, écrit donc notre confrère Liberté. Et nous avons au téléphone notre première rédaction, c'est celle de Bi Hebdomadaire Le Libéral, avec Fabrice Petiesi. Fabrice, bonjour. Et bonjour à toi Eric, et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoint Fabrice, et ce matin vous vous intéressez d'abord à la coalition. Mais avant, nous allons parler de cette crise dans votre éditorial. Crise ou malentendu finalement Fabrice? Oui, crise ou malentendu, vous savez très bien, vous devez savoir que nous faisons allusion un peu à la situation au sein de la coalition des 14 partis politiques. Oui. Alors, c'est vrai que cette semaine quand même, ces derniers jours, ces dernières heures, s'il faut parler, il y a eu quand même une certaine dissension qu'on a pu noter, notamment par rapport à l'organisation, par rapport à l'organisation des prochaines la prochaine marche au sein de la coalition, puisque il y avait des marches qui étaient prévues qui ont été plus ou moins annulées, mais il y a un parti qui n'était pas d'accord. Il s'agit bien évidemment du PNP, et c'est une des premières fois quand même qu'une dissension au sein de la coalition apparaît au grand jour. Alors c'est vrai qu'on a eu à écouter certains leaders, ou du moins certains membres influents de la coalition sur cette question dans des émissions. Mais dans l'éditorial, on s'interroge si il s'agit d'un simple malentendu, comme on tente de le faire croire, ou alors il s'agit d'une réelle crise qui est en train de naître au sein de la coalition. Alors, des 14 partis politiques. Oui, la coalition qui se libère, c'est ce que vous écrivez peu à peu, de la domination du PNP. Tipi, Tadam, aujourd'hui, seul contre tous, c'est ça? Oui, bien évidemment. Vous savez que nous avions écrit dans nos précédentes parutions que le mur de la coalition se lézardait, oui, et qu'on évoluait vers un isolement du PNP. Et c'est vrai que certains nous avaient tassé de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Alors aujourd'hui, on se rend compte quand même que même si dans tous les groupes il y a toujours des dissensions, il faut dire que depuis la création de la coalition au lendemain de la manifestation du 19 août 2017, on a toujours réussi quand même à laver le linge sale en famille. Et toutes les fois, on a pu comprendre que pratiquement les autres partis de la coalition vivaient, se subissaient la dictature du PNP sur plusieurs questions. Vous allez voir, par exemple, d'abord la plateforme revendicative. Tous les partis politiques de la coalition se sont alignés derrière le PNP qui réclamait le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora, alors que quelques jours avant, l'ANC continuait toujours par parler de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc pratiquement tous les partis s'étaient fait sien à cette plateforme revendicative du PNP et tout le monde ne suivait que ça. Et puis en plus également, vous allez prendre les jours des manifestations. Aujourd'hui, on ne manifeste plus vendredi et tout cela, ce sont les injonctions du PNP et tout le monde suivait. Et donc, dans l'article, nous disons que c'est une des rares, ou c'est la première fois, disons, que les autres partis tiennent plus ou moins tête au PNP par rapport à ces positions. Et c'est en ce nous disons que
C'est un début quand même d'émancipation pour ces 13 partis politiques qui pendant longtemps ont suivi comme des moutons de panurge le PNP dans cette position. Alors, tout à l'heure, nous reviendrons quand même sur cette histoire avec le secrétaire national du PSR, le professeur Olu Komi, qui sera notre invité. Alors, le troisième sujet que vous avez ce matin, c'est par rapport donc aux prochaines manifestations de la coalition. Des émigrants pourraient être mis à contribution pour des actions d'envergure, c'est ça? Oui, c'est une information que nous avons à notre niveau. Et vous savez que effectivement, actuellement, on se dit que le dialogue a un peu plus ou moins du plomb dans l'aile. Et si jamais il n'aboutissait pas, il y a de fortes chances que la coalition retourne dans les rues. Alors, certains partis de la coalition, certains leaders quand même, ne pensent pas revenir dans la rue avec pratiquement les mêmes méthodes, même si c'est toujours les marches. Et vous savez que le corps des émigrants a été toujours encore utilisé par les acteurs politiques, surtout au moment des manifestations et surtout également pendant les élections. Et donc, nous avons certaines informations selon lesquelles ils seront mis à contribution pour des actions d'envergure. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme « action d'envergure » Je crois que c'est cela que nous sommes en train de rechercher. On verra bien évidemment de quoi il s'agit exactement. Alors, la bonne nouvelle, vous l'annoncez aussi ce matin, c'est la Ligue africaine des champions avec l'AS Togoport qui se qualifie pour la phase de poule. On lira cela dans votre journal. Merci beaucoup, Fabrice Pétiesi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Bon début de semaine. Allez, merci et bonne journée à vous. Merci. Taxi FM. Le monde en une radio. Et notre deuxième rédaction ce matin, c'est le site www.gapola.net. C'est Thierry Afanoukoué qui est au téléphone. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Alors, nous allons commencer par cette affaire au niveau de Mission Tové et de Covier. Depuis plusieurs semaines, on en parle quand même à l'antenne. Mission Tové, aujourd'hui déterminé, Thierry, à être le chef-lieu de Zio 2. Oui, l'affaire fait grand bruit, Eric, et continue de diviser les populations de Mission Tové et de Covier depuis le 22 novembre 2017, ou par décret numéro 2017-13/PR du 15 novembre 2017, le gouvernement attribuait le chef-lieu de la commune de Ziode au canton de Collier au détriment de Mission Tové. Depuis donc ce jour, plus rien ne va entre les deux cantons voisins. Cette décision qui va à l'encontre du vote des députés sur les 116 communes autocompassement à Mission Tové, un meeting samedi à Blomé pour la troisième fois consécutive, la population de Mission Tové, un canton situé dans la préfecture de Zio, environ 30 km de Lomé, ont invité le gouvernement togolais à rapporter sa décision pour ne pas taper le vivre ensemble entre les deux cantons et surtout de préserver la cohésion sociale en rectifiant ce qu'elle qualifie d'injustice. Alors Eric, au cours du meeting en question, les responsables du comité d'appui pour le développement intégral du canton de Mission Tové, CADI-MT, ont expliqué donc à la population les différentes démarches entamées pour se faire entendre par le gouvernement en vue de l'annulation du décret faisant de Covier le chef lieu de Ziode. Sans pour autant convaincre l'assistance qui était donc à ce meeting de la portée de leur démarche, la population a décidé de prendre le devant de la lutte. Du coup, elle a manifesté dans les rues du canton de Mission Tové une marche qui a eu pour point de fuite la maison de Togui Kelly, qui est donc le chef canton de Mission Tové. Et là, donc, Eric, la population a exprimé sa détermination à tout faire pour que Mission Tové redevienne le chef-lieu de la commune de Ziode, tel que l'ont décidé les élus de la nation en juin 2017. Elle estime que Mission
conservé à les critères historiques, démocratiques, démographiques et économiques pour être le chef lieu de la commune de la localité. Pour Rodrigue Akolakia, conseiller du CADI MT, attribué donc le chef lieu de commune au canton de Corrier est une injustice criée comme commise contre un peuple et son histoire, puisque Michon Tavé a été reconnu canton par l'administration française d'outre-mer en juillet 1936 et a eu à administrer le village de Corrier pendant 62 ans. D'accord. Alors, et un autre natif de Corrier qui est un jeune cadre de la localité, à la personne de Elie Goka, nous disait à cette manifestation de la population de Michon Tavé que le chef de l'État doit réagir pour éviter le pire dans les deux cantons. Voilà donc la situation, Eric, qui prévaut dans ces deux cantons en ce qui concerne les élections locales en vue dans le pays. On suivra tout cela de près, Thierry Afanoukoué. Et puis l'autre sujet, c'est par rapport donc à la coalition de 14, puisque Payadoua Boukwessi, le ministre de l'administration territoriale, vient d'interdire les manifestations de la coalition. Et ça, vous en parlez aussi ce matin. Oui, c'est ce qu'on retient donc de sa correspondance adressée vendredi à la C14. Éric, alors que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition projetait manifester les 20, 21, 22 et 24 mars prochains pour réclamer le retour à la constitution de 92 avec toutes ses conséquences, la levée de siège des villes de Mango, Bafilo et Sokodé, la libération des derniers détenus politiques et le vote de la diaspora. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoua Boukwessi, dans une correspondance, je le disais tantôt, vendredi, notifié à la C14 l'interdiction des manifestations en vue de permettre au dialogue intertogolais d'aboutir. Se basant donc sur l'engagement des parties prenantes au dialogue, de sursoir aux manifestations publiques durant les discussions, Payadoua Boukwessi croit qu'une reprise des marches de la C14 ne favorisera pas une reprise des pourparlers suspendus à cause de l'intransigeance du pouvoir et de l'opposition sur la question du retour à la constitution de 92 et de toutes ses implications. Dans cette correspondance, il écrit donc les marches programmées ne peuvent pas avoir lieu en cette période où nous attendons tous la poursuite des discussions en vue de la normalisation de la situation politique togolaise en voie de dialogue. Quelque part également dans cette correspondance, il disait donc que par respect au président du Ghana, qui sacrifie son temps et son énergie pour notre pays afin d'aboutir à une solution à la situation que connaît le Togo. En ce moment, toutes les parties prenantes doivent suspendre les manifestations. Donc, Eric, voilà donc les arguments avancés donc par le ministre de l'Intérieur pour interdire les manifestations de rue. Reste à savoir, puisque jusqu'à à l'heure où nous vous parlons, la C14 ne s'est pas encore prononcée officiellement sur cette correspondance du ministre, mais est-il que la menace de la reprise des marches de l'opposition est bien réelle tant que le gouvernement s'obstine à poursuivre en solo le processus électoral en cours dans le pays? D'accord. Nous aborderons clairement la question tout à l'heure avec notre invité, le secrétaire général du PSR, professeur Oulu Komi. Il sera au téléphone aussi avec nous. Alors, l'autre sujet, le dernier d'ailleurs à aborder avec vous, Thierry, c'est par rapport à la grogne sociale, le Saint-Fort, qui veut se payer finalement la tête du ministre de la Santé, hein, professeur Moustapha Midji Yawa, c'est ça?
Oui, c'est le cas. Nous revenons donc ce matin sur l'AG tenu vendredi dernier donc par le Saint-Foc. Éric, la grève va s'accentuer dans le secteur sanitaire au Togo. Les médecins durcissent le ton et réclament désormais la tête du ministre en charge de la santé, le professeur Mustapha Midiawa. Le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Foc en assemblée générale vendredi au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lien a réclamé sans condition la démission du ministre Mustapha Midiawa qui tient le portefeuille ministériel de la santé depuis juin 2015. Et le Saint-Foc soutient donc cette demande par le fait que depuis qu'ils ont lancé ces mouvements, l'actuel ministre de la Santé, Mustapha Midiawa, ne s'est jamais daigné pour les recevoir et discuter avec le syndicat sur leur plateforme revendicative. Pour le Saint-Foc, ce comportement du ministre est un mépris au corps médical et il faut réclamer sa tête. Voilà ce qui a été décidé au cours de l'AG de vendredi. Très bien, bah écoutez, on lira tout cela sur votre site, le www.gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Sur Tati FM. L'info roule. Et nous avons aussi dans les kiosques ce matin l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui revient sur l'annulation des manifestations politiques des 20, 21, 22 et 24 mars prochains. La coalition respectueuse des engagements pris, le PNP dans l'hésitation, écrit le confrère. Avec une interrogation à la clé, s'achemine-t-on vers le retrait du parti de Tikpi du groupe des 14? L'interrogation à lire dans le journal La Nouvelle Opinion, c'est à la page 3. L'effet de boomerang politique se retourne contre l'ANC. Jean-Pierre Fabre périt par l'épée qu'il a utilisée contre les autres. De quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, vous achetez le journal Nouvelle Opinion pour les détails. D'ailleurs, l'éditorial du confrère évoque à peu près le même sujet. C'est la main dans la main que les Togolais doivent construire leur pays. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'installation des comités préfectoraux communaux, cantonaux et de base, unir se régénère à Tchaoudjon, écrit le confrère Nouvelle Opinion. Notre troisième rédaction maintenant, c'est le quotidien Togo Matin avec Dieudonné Korolakina qui est au téléphone avec nous. Dieudonné, bonjour. Bonjour cher Eric, bonjour fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Tafi FM. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné. Vous aussi vous vous intéressez à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la coalition. Vous parlez de démobilisation au PNP, guerre de leadership au sein de la C14. C'est ça, hein, c'est clair? Ouais, c'est tout à fait clair. Les derniers développements sont aussi sont des messages aussi très très limpides à notre avis. Oui, parce que selon nos informations, dans un récent appel à mobilisation la semaine dernière, le parti national panafricain PNP, à travers donc la voie de son numéro 2, Ouro Dipa, combiné donc au nom de la coordination des 14 partis politiques de l'opposition, l'ensemble de ces militants à battre le KVCM mardi, mercredi, jeudi, samedi prochain. Nous savons que justement, selon les dernières nouvelles, il y a eu tellement du chamboulement. D'abord donc, nos informations indiquent que au cours d'une réunion le week-end passé, une réunion du PNP, où il était question effectivement de sursoir à fin mars, beaucoup de militants du PNP n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée. Et puis, du coup, depuis hier, nous savons notamment que le chargé de communication de l'ANC, c'est d'ailleurs porte-parole de la coalition, a fait une sortie des communications qui est très très reprise partout, beaucoup de médias aujourd'hui, sur la question justement de
l'incompréhension du désaccord. Du désaccord entre les autres parties de la coalition et l'idée du PNP donc d'appeler à la reprise des marches. Voilà donc ce qui nous intéresse aujourd'hui en titre principal dans Togo Matin. Et d'ailleurs même nous avons tout comme la pauvre beaucoup de Togolais suivi donc des audios du président national du PNP, qui a circulé et qui a laissé entendre qu'il n'est pas possible pour son parti de sursoir à la demande de secteur de la coalition patronne aux marches qu'il prévoit pour cette semaine, au risque donc de décevoir le peuple. Celui-ci tranche malgré les dissensions qui fait désormais loi et dont la teneur toujours cachée sous le brèche est désormais sur la page publique. On annonçait d'ailleurs la semaine dernière dans l'une de nos recettes que cet appel de façon unilatérale du PNP a manifesté cachait justement un malaise au sein de la coalition des 14. Et voilà aujourd'hui donc nous sommes tous devant le fait et à notre humble avis c'est la scission. C'est la scission qui est consommée d'ailleurs au sein de la coalition. Et c'est ce que vous écrivez d'ailleurs hein, dans votre éditorial, hein, Dieudonné, la scission est consommée. L'éditorial ultime est juste effectivement que dans la droite ligne de ce que nous disons dans le titre en français, la scission est effectivement consommée. La coalition, à notre humble avis, s'est terminée. Parce que cette alliance, vous savez, c'est une alliance contre nature. Et beaucoup d'observateurs sérieux posaient ce postulat à la création même ou à l'origine même de la coalition. C'est une coalition contre nature. Et pour beaucoup d'ailleurs même, on ne mène pas une lutte sérieuse. On ne fait pas une lutte susceptible justement d'aboutir avec ce que certains appelaient donc un panier à crabe. Et aujourd'hui, effectivement, les gens semblent donner l'impression tout simplement que c'est seulement aujourd'hui justement qu'on assiste à un désaccord aussi profond. Et ceux qui avaient donc déjà fait le pari de l'éclatement de la coalition des 14 avec plus juste, parce que vous savez, dans le tumulte des visions, des stratégies, des méthodes, le dialogue en suspension même a fini par révéler et la course discrète et sournoise à l'électorat, il n'est pas facile de garder ça entre guillemets sa religion ni ses convictions, et encore moins sa conviction autour d'une nébuleuse revendication qui est le retour à la constitution régionale de 1999. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? On s'affranchit tout simplement de ces anciens affiliés, et c'est ce qui vient de se faire. Et c'est ce qui vient de se faire, que ce soit la sortie donc de M. Éric Dupuy hier. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, et donc l'audio du directeur du PNP qui montre leur, justement le désir de s'accrocher à une telle manifestation ou à ces appels à manifester. Mais il est clair que, de toute façon, dans les démarches ou dans les stratégies, le PNP, bon nombre de partis de la coalition ne pouvaient jamais faire route ensemble. Donc, c'est tout ce qui se passe. Et voilà, donc nous sommes face à la réalité donc, de la scission de la coalition. Et si ça peut faire grandir notre opposition, que l'opposition togolaise, d'ailleurs, même selon beaucoup d'autres observateurs, était alignée
subitement derrière une nébuleuse qu'on appelait donc, ou qu'on appelle toujours le retour à la condition de certains jours. D'accord. Une pure nébuleuse, suivant beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'au bout de 6 mois ou 7 mois de lutte, eh bien, cette nébuleuse ou cette revendication n'a rien donné. Et si on s'y accroche toujours, mais c'est qu'il y a quand même matière à réfléchir. Parfait, très bien. Ben, écoutez, on lira votre analyse dans le journal Togo Matin. Un dernier sujet à évoquer très rapidement avec vous, c'est par rapport à la réconciliation nationale. Le H-Krone qui passe à une nouvelle étape finalement. Le Haut-Commissariat donc à la réconciliation et renforcement de l'unité nationale débute ce mardi même, donc demain, l'indemnisation des victimes non déclarables du pôle 3. Les indemnisations ont déjà démarré. Et donc, c'est l'étape 2, en fait, qui démarre, démarre demain. Vous savez que le H-Krone investit une mission importante, une des missions les plus importantes dans ce long processus qu'est la réconciliation nationale. La mission qui consiste justement à indemniser les victimes donc, des violences que notre pays a connues sur la période de 1958 à 2005. Et l'indemnisation des victimes reste une étape importante, cruciale, très délicate dans la mesure effectivement où les attentes des uns et des autres sont très très importantes et beaucoup sont curieux à comprendre justement les critères qui déterminent ou qui organisent ces indemnisations. En tout cas, le travail de sensibilisation se poursuit toujours autour de ces indemnisations qui ne restent que des actions hyper symboliques, mais marquant la volonté du pouvoir ou des autorités togolaises de faire un pas important dans le domaine de la réconciliation nationale. D'accord. Donc, très bien. Ben, c'est compris. On lira le reste dans votre journal Togo Matin. Dieudonné, merci pour votre disponibilité ce matin à être à l'antenne avec nous. Merci beaucoup. Très cher Eric, très très bonne semaine à vous, oui, ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs de Radio Taxi FM. Je réponds à leur place. Merci beaucoup Dieudonné. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Le dernier journal dans les kiosques, en tout cas pour ce qui est avec nous en studio, je vais dire, c'est le correcteur. Le correcteur qui parle ce matin de fourberie gouvernementale quand un pouvoir violateur des accords se prévaut d'un règlement intérieur. Et cette réaction de Mme Brigitte Adiamago-Johnson qui dit que le ministre incarne un régime dictatorial. Vous lirez, n'est-ce pas, sa réaction à la page 4 du journal Le Collateur ce matin. Togo, un pays totalement à l'abandon. Pourquoi fort est-il encore président? Se demande le journal Le Collateur. Le confrère qui revient également sur la Ligue africaine des champions. Historique qualification de Togo Port. Vous lirez l'article dans le journal Le Bi-hebdomadaire, le correcteur dans les kiosques ce matin. Alors voilà les journaux à peu près qui sont avec nous ici en studio, dans les kiosques et chez vos marchands de journaux. Il doit en avoir pas mal d'autres que nous n'avons pas encore en studio. Il y a le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le Bi-hebdomadaire, le correcteur, le Bi-hebdomadaire, le libéral. Et vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Nous marquons une pause, on se retrouve juste après. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. Dans 10 minutes pour trancher, notre invité ce matin s'est annoncé, c'est le secrétaire général du PSR. C'est le professeur Oulu Komi qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Disons que votre parti politique, le PSR, a organisé samedi dernier des formations à démocratie et citoyenneté des ambassadeurs du parti. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement, professeur? Effectivement, nous avons initié une formation intitulée « Formation des ambassadeurs de la démocratie et de la citoyenneté ». Oui. Et vous savez,
pour le PSR, on ne peut pas vraiment construire et si on ne travaille pas sur la base des valeurs. Il fait que pendant ou depuis longtemps toujours, le PSR a fait de la formation quelque chose de fondamental. Et c'est dans ce cadre que nous avons, nous appuyons sur le manuel de la CDAO, ici donc la formation de nos militants. Et hier, sur cette dénomination, nous avons fait la communication sur quoi passe essentiellement, sur les droits de l'homme, qui constitue pour nous d'abord quelque chose de fondamental, parce que la construction d'une société ou la politique d'un pays, dès qu'elle ne met pas au centre dans cette préoccupation de l'homme, alors il y a un problème, ce système qui ne met pas au centre de préoccupation de l'homme, et doit être combattu. Et okay. L'homme, en tant qu'homme, dispose des droits humains, et qu'il est indispensable de connaître. Et donc, le premier acte était fondé donc sur cet élément. Deuxième situation, c'était aussi sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et on dit souvent démocratie, tout le monde en parle, oui. Mais quels sont les éléments ou les valeurs que contient donc cette notion de démocratie? Et parmi les valeurs essentielles, nous avons parlé de l'égalité, et nous avons parlé aussi des libertés. Et au-delà donc de ces valeurs, il y a un certain nombre de principes sans lesquels nous ne pouvons pas parler de démocratie. Et nous avons donc étudié ces principes aussi, et à la lumière de la situation de notre pays. Parce qu'il faut que les dirigeants soient bien éclairés, soient bien informés, afin que lorsqu'ils parlent, ils sachent de quoi ils parlent. Ensuite, nous avons parlé du civisme et de la citoyenneté. Et lorsqu'on est citoyen dans un pays, on reconnaît un certain nombre de droits, mais également un certain nombre de devoirs. Et que vous avez la nationalité de ce pays, et en tant que citoyen, vos droits doivent être respectés, de même que vos devoirs. Et un citoyen qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs constitue également un danger. Vous savez, aujourd'hui, et peut-être même dans plusieurs pays, dont notre pays, lorsque vous avez des militants, c'est-à-dire des gens qui se réclament d'un parti politique et qui sont mal formés, ils sont un danger pour tout le monde. Ils sont un danger. Un militant bien formé sait que et les opinions qu'il défend ne sont pas des paroles de danger. Et qu'il faudrait laisser les autres également défendre leur position. Un militant bien formé sait que un parti politique différent du sien a la liberté de faire donc, ses activités sur l'ensemble du territoire. Et donc, un citoyen ou peut-être un militant plutôt mal formé est un danger. Et il arrive que le militant recourt à des bourdins et à des machettes pour empêcher des formations politiques d'exercer librement leur activité, c'est forcément parce qu'ils ont été mal formés, d'accord, qu'ils ne comprennent pas le sens des choses. Et dans ce cadre, nous avons donc initié cette formation. Et retenez quand même que ce n'est pas la première fois, si vous voulez vous rappeler les thèmes qui ont déjà fait l'objet du développement au sein du parti. Nous avons déjà parlé de l'égalité des citoyens. Nous avons parlé aussi de la moralisation de la vie publique. Rappelez-vous, l'année passée, nous avons et aussi des débats sur l'esprit dans la politique au Togo et pour citer tous ces exemples en cette fois. Donc, on peut considérer que c'est une nouvelle série qui a commencé. Donc, sur ce thème des ambassadeurs de la démocratie et de la citoyenneté, nous allons poursuivre la formation d'abord à l'ONU. Hier, on l'a fait pour une centaine de personnes. Nous allons le poursuivre encore avec d'autres vagues et nous allons le faire également et à l'intérieur du pays dans les prochaines semaines. Alors, on comprend alors, de ce point de vue, professeur, que c'est important pour votre parti de former ses militants. Ça devrait être la même chose pour les autres formations politiques, pour un pays à paix, surtout dans le contexte actuel du Togo. Oui, mais nous le faisons depuis très longtemps d'ailleurs, et ça constitue une formation politique aussi le fond. Mais malheureusement, ce ne sont pas toutes les formations politiques. Et les agressions dont les partis d'opposition sont souvent victimes, j'en parle en connaissance de cause, dont sont victimes
Et donc, les partis politiques d'opposition indiquent clairement que c'est le régime qui est au pouvoir n'a pas fait son travail de son côté. Et rappelez-vous des victimes parfois quand les gens blessés dans certaines régions, particulièrement à Kara, où les gens souvent été renvoyés manu militari, cela signifie bien évidemment que cette formation n'a pas pu passer. Et en plus, cette exigence qui incombe aux partis politiques, je crois que le gouvernement même a cette mission de formation des citoyens, et donc ce sont des citoyens informés et qui permettront une paix. Mais il ne suffit pas de bien traiter les questions aussi. Il faudrait que l'État lui-même, que le gouvernement, applique les principes de droit. Parce que l'État de droit implique qu'il y ait d'abord des lois, les lois répondant à certaines exigences de qualité, mais aussi que l'État lui-même soit soumis à ces lois. Et il n'y a pas d'État de droit lorsque le gouvernement, lorsque l'État lui-même n'est pas soumis donc, à la loi. Et nous pensons que ce sont ces exigences qui ont été dictées dans la gouvernance de notre pays et qui expliquent aussi les difficultés que nous avons. Parfait, très bien, ben, on a compris, merci beaucoup. Alors, parlant de la coalition des 14 partis, professeur Oulou, la confusion est artistique depuis quelques jours autour de la manifestation organisée. Tout au long de la semaine dernière, votre regroupement, le C14, parlait d'une manifestation publique et synchronisée à partir de demain mardi. Toute la presse en a parlé d'ailleurs. Et puis, il y a eu cette fameuse réunion très tendue, selon plusieurs sources, réunion convoquée, je vais dire, par le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, pour amener les siens à annuler les marches. Il semble que ça s'est mal terminé. Bon, ça reste votre cuisine interne. Mais le soir, c'est le gouvernement qui annonce l'interdiction de la marche. Alors, dites-nous, que se passe-t-il finalement? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette confusion qui est semée dans l'opinion depuis quelques heures, quelques jours, je veux dire? Et vous savez, nous sommes dans une période assez délicate de nos activités et il faudrait peut-être pas trop compliquer les choses. Et c'est vrai qu'ensemble nous avions initié des manifestations, mais aussi vous savez que nous étions dans le cadre donc, des discussions avec le médiateur. Et le médiateur avait demandé entre-temps qu'on puisse occuper ces manifestations en attendant qu'il fasse certaines démarches. Et le délai donc fixé, en réalité, il effectivement était expiré. Et on aurait pu, peut-être, sur cette base, nous dire qu'effectivement, nous allons aux manifestations. Et je pense que c'est cette tendance, une des tendances du groupe. Mais également, on avait pensé que, et tout en donné que le médiateur avait fait certaines démarches qui n'ont pas encore, qu'on n'a pas pu faire le truc avec lui. Et il était possible aussi de décider de différer un peu en attendant de discuter avec lui et avant de confirmer effectivement ses marches. Vous savez que la médiation a même envoyé des délégations au pouvoir qui puissent aller sur le terrain. Oui, et pendant à donc penser qu'il fallait forcément d'abord pouvoir faire le point sur cette question avant donc de lancer ces manifestations. Vous savez, quand vous êtes 14 partis ensemble, et bien évidemment, il peut y avoir des moments d'incompréhension que nous avons tous l'obligation de surmonter. Je dis quelque chose et je le réaffirme. Le seul salut de ce régime encore ne peut résulter que d'une divergence plutôt de notre vision interne et des problèmes internes que nous pourrions avoir. D'accord. Si nous parvenons donc à surmonter ces problèmes, je crois que ce régime est un régime en sursis et qui, dans les prochaines semaines, ou les prochains mois, doit pouvoir tomber. Et par conséquent, j'en profite également pour dire à tout le monde que nous devons surmonter cette divergence parce que je crois que ce sont des divergences par rapport à la manière de procéder. Or, sur le fond, c'est-à-dire l'objectif procédé, nous sommes tous d'accord sur cet objectif. Et tout d'accord sur cet objectif. Nous devons donc tout faire pour surmonter des divergences ou des débordements pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, je demeure toujours optimiste, sachant que dans les prochaines heures,
nous devons pouvoir trouver une solution qui nous permette d'avancer tous ensemble, parce que ce qui nous dit, ce qui nous dit le fait de cette coalition est déterminant, c'est fondamental. C'est l'avenir du Togo, donc qui en dépend. Alors, professeur, la marche, ça tient ou ça tient plus? Non, écoutez, nous avons encore une rencontre importante. Et entre nous, dès que nous devons finir cette rencontre, et probablement que nous parlerons d'une seule voix. D'accord. Donc, il est préférable d'éviter d'affirmer une position totalement tranchée, mais dans tous les cas, sachez que personne, aucun parti donc, de la coalition n'est contre les marches. C'est simplement une divergence par rapport au calendrier. Je vous dis et je vous le réitère, nous sommes tous favorables aux marches. Et j'en profite d'ailleurs pour dire au gouvernement ou à ceux qui pensent que peut-être d'un accord et on s'était entendu à ne pas marcher, et on s'était entendu à condition que le gouvernement lui-même respecte un certain nombre de ses engagements, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et dans tous les cas, on ne peut pas par une convention renoncer à un droit constitutionnel et qu'on puisse nous opposer. Et vous voyez, nous sommes en présence d'un droit qui est d'ordre public, et c'est volontaire. Si vous voulez reprendre, vous le reprenez. À conséquence, ceux qui pensent pouvoir l'opposer donc à l'opposition se trompent énormément. D'accord. Dès que nous aurons discuté donc avec la médiation, dès qu'on aura et trancher, donc ils ont discuté entre nous, et les marches reprendront fortement, et si nos attentes ne sont pas satisfaites. Donc, aucun parti de l'opposition, je le dis et je le réitère, aucun parti de l'opposition, mais disons de la coalition des 14, n'est contre les marches. Nous les ferons, et si nos attentes ne sont pas satisfaites. Donc, je le dis et je le réaffirme. Parfait, très bien. On a compris, professeur Olu Komi. Merci pour votre disponibilité. Hein. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Taxi Média Show, la clause Molière. C'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ben, Dieu me porte. Et vous? Écoutez, c'est la marée haute des réalités dépressives. Pour autant, on tente héroïquement de ne pas sombrer, n'est-ce pas? C'est un peu la résistance molienne sur le plan des survivances essentielles. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci beaucoup, professeur. Nous vous écoutons maintenant. Alors, à la pension des services administratifs et autres établissements publics ou privés, et les journaux, etc. Il s'agit de l'accentuation des majuscules. Bah. On remarque très souvent l'omission des accents sur les majuscules, cette tendance probablement due à un modernisme déplorable ou à une subition, n'est-ce pas, de l'influence de l'anglicisme est absolument à proscrire. Car en français, l'accent a pleine valeur orthographique. Son absence fait hésiter sur la compréhension du texte et peut donc induire en erreur. Notons au passage qu'il en va de même pour le tréma et la cédille. On doit veiller en bonne typographie à utiliser systématiquement les capitales accentuées, n'est-ce pas? Y compris, bien entendu, la préposition « à ». Alors, j'en viens maintenant à une phrase, à cette phrase que j'ai lue quelque part. Le gouvernement doit savoir classifier les priorités. Le gouvernement doit savoir classifier les priorités. On détermine, on précise, on définit, on établit des priorités. On ne les classifie pas. À ce propos, on confond très souvent les verbes classifier et classer. Le verbe classifier signifie définir des choses, déterminer des critères de classement, n'est-ce pas? On lui associe le nom classification. Action de classifier, par exemple, la classification des éléments dans le domaine chimique, physique, etc. Oui. Classifier est donc utilisé dans des domaines spécialisés. Quant au verbe classer, lui est d'un emploi plus général.
Il signifie répartir dans des classes, placer dans un ordre donné, n'est-ce pas, ranger dans une classe, etc. On lui associe le nom classement. Par exemple, le classement des dossiers, le classement de telle ou telle espèce animale ou végétale, etc. Et selon les catégories. Bon. Et je vous donne un exemple. Les réformes sont... voilà, j'en ai terminé, j'en viens maintenant à cette phrase, autre phrase que j'ai lue quelque part. D'accord. Les réformes sont la première priorité du gouvernement car ces réformes vont bénéficier aux Français. Les réformes sont la première priorité du gouvernement car ces réformes vont bénéficier aux Français. Bon, cette phrase, c'est de Ménarque, ministre du gouvernement de la France, hein, est absolument indigne pour la raison qu'elle est émaillée de fautes grossières. D'abord, l'enchaînement première priorité relève d'un pléonasme. Cela vous paraît évident, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Hein? Un pléonasme vicieux, en effet. L'adjectif premier signifie qui est classé avant les autres par son importance, par sa valeur. Et le nom priorité signifie le fait de venir en premier, de passer avant les autres en raison de son importance. Il y a donc redondance, puisque l'idée de priorité est présente deux fois. Bon. Ensuite, le verbe bénéficier, il me semble en avoir parlé une fois. Mais c'est vrai que l'utilisation, l'emploi, le maniement de ces verbes est un peu compliqué. Bon. Le verbe bénéficier, dans sa construction, bénéficier, comme on l'entend trop souvent, est une incorrection en français. Pourquoi ? Parce que le sujet du verbe bénéficier doit être le bénéficiaire et non les réformes en question, n'est-ce pas ? C'est pourquoi on ne construit pas le verbe bénéficier avec pour sujet un inanimé et pour complément un nom introduit par la préposition « à ». Cette construction est généralement réservée pour le verbe « profiter ». Hein, c'est réservé au verbe « profiter ». Bon, alors voici des exemples de formulation correcte de la phrase fautive. Les réformes sont la priorité du gouvernement. Car ces réformes seront au bénéfice des Français. Deuxième formulation possible, les réformes que le gouvernement entend mettre en œuvre et dont les Français vont bénéficier sont une priorité pour le gouvernement. Vous voyez bien qu'à travers les deux exemples, j'ai évité de mettre bénéficier à. Parce que c'est vrai que c'est un verbe difficile à employer, à utiliser. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien. En souhaitant un bon début de semaine à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci beaucoup, mon cher professeur Cyr. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Merci à vous pareillement. Au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. Taxi FM 93.1. Il est 8h presque 4 minutes sur Radio Taxi FM. Dans un instant, nous parlerons sport avec le football et les 16e de finale de la Coupe du Togo disputée hier. On connaîtra, Hugues nous donnera tout le détail sur les équipes qualifiées pour la suite de la compétition. Et puis nous reviendrons sur cette qualification historique de l'équipe de l'AS Togoport. L'AS Togoport, c'est vrai, défait donc à Soudan hier 3-1. Mais se qualifie avec ce but marqué à l'extérieur. Nous reviendrons sur tous ces sujets. Taxi Media Show, la chronique des sports. Les sports, c'est l'affaire de Hugues Vignon à Tikpo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. On va commencer avec les 16e de finale de la Coupe du Togo qui donc ont rendu leur verdict hier. On va dire qu'il y a eu quelques surprises majeures et beaucoup de confirmations pour ces 16e de finale de la Coupe nationale. Alors, dimanche à Dapaon, eh bien, Fouadan a battu Mosaïque sur tapis vert sur le score de 3-0. Semasi de Sokoré est venu à bout de Odalou de Camboli dans les tirs au but. Score final 0-0. Qualification également de l'ASK à Bafilo devant Sarah, également dans les tirs au but, et de Gomido à Takpame devant Ifodien. Un match émaillé d'incidence en fin de rencontre. Le Tchaoudio Athletic Club a également eu recours
à la séance des tirs au but pour éliminer Agua. Le match s'est déroulé au stade municipal de Sokodé, sous les yeux de Ramsès Pablo. La rencontre des 16e de finale de la Coupe du Togo entre TAC de Sokodé et Agua de Koussoutou a connu un début de première mi-temps timide, avec comme action d'éclat un coup de pied arrêté de chaque côté pour se signaler. Il a fallu attendre la 16e minute pour voir la première véritable occasion de TAC déjouée par le portier d'Agua qui, sur sa sortie maladroite, va entraîner le pénalty transformé par Emmanuel Joseph. Après ce but encaissé, les visiteurs vont prendre le taureau par les cornes en acculant TAC dans ses derniers retranchements, sans toutefois scorer malgré la possession et la domination. A contrario, ce sont les jaunes de Sokodé qui, à chacune de leurs rares montées, vont se faire menaçants. Les coups de pied arrêtés, dangereux des 5 dernières minutes, ne permettront pas à Agua de rétablir l'équilibre avant d'aller au citron. À la reprise, les Bleus de Koussoutou vont tout de suite aller à l'égalisation, notamment à la 48e minute, sur une frappe terrible de Issa Abdelaziz, excentré avant la surface de réparation. La pression constante et accrue d'Agua contraindra le coach Eswazina Acha à opter pour la défensive avec quelques contre-attaques mal orchestrées. TAC va subir, sans rompre, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Amitepe Kokou qui enverra les deux formations au tir au but remportées par Tchadjo Athletic 5-4. Ramsès Pablo depuis Sokodé pour Taxi FM. Oui, voilà donc la qualification du Tchadjo Athletic Club devant Agua de Koussoutou dans les tirs au but. Et nous allons suivre la réaction du directeur technique du Tchadjo Athletic Club. Bon, c'est le football. Il y a toujours vainqueur, vaincu et match nul. Mais la coupe, ça se joue différemment par rapport au championnat. Ce championnat, c'est stratégie, la coupe. Tout le monde veut prendre la coupe, c'est ça. Vous voyez que l'équipe que la joue a fait face n'a pas démérité. Ils ont cherché la coupe parce que c'est l'équipe de deuxième division. On sait que nous, on est venu en première division, ils doivent jouer beaucoup. Et ils ont dérangé. Et quand même, on est sorti tête haute. Quand on se verra, une équipe de la SK complètement remaniée. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas fait jouer avec nos titulaires. Cela veut dire qu'il faut qu'on juge aussi ceux qui ne jouent pas. Parce que dans le football, il y a des gens qui sont venus. Il faut qu'on les juge aussi pour étoffer l'équipe qui fait le championnat. Bon, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de joueurs qu'on va utiliser plus à ceux qui faisaient le championnat avant. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir l'équipe de ACK, on n'a pas mis 100% sur l'équipe, on a changé beaucoup de joueurs dedans. Merci. Voilà, nous venons d'écouter l'entraîneur de l'association sportive des chauffeurs de CARA, l'ACK, Kwakpo Koumi et Séverin, après l'élimination donc, de SARA FC. ACK avait fait le déplacement de Bafilo pour y jouer SARA FC de Lomé. Au stade Jeunesse Club d'Aguenivé, eh bien le dynamique togolais n'a pas tremblé devant Agaza, 2-0. Pendant ce temps, la surprise est venue du stade d'Ablogame où les pensionnaires d'AFA ont éliminé l'AS au tir au but, 4-1, temps réglementaire, 2-0, alors que l'AS au tir menait à la mi-temps, 2-0. Samedi déjà, le Kotoko de Lavier a éliminé le club Adjiri, 1-0. Koroki de Chamba a eu raison du Nisport de Sokodé, 1-0 également. Idem pour Okiti qui a éliminé Ange de Notchin. Match qui s'est déroulé à Balou, 1-0. Il faut noter que c'est à l'issue des tirs au but que Asco a validé son ticket pour le second tour. Asco a éliminé le Petit Poussé Open de Wadenda, alors que l'Entendeur de Lomé a également éliminé l'Étoile Filante de Lomé dans la série des tirs au but. On revient maintenant sur les clubs, hein, tous les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale maintenant. Oui, on va dire qu'il y a Asco de Kara, le Dynamique togolais, Gomido de Kwalimé, Bikenti de Bassa, l'ASK de Kara, Semasi de Sokodé, Fouadan de Dapaon, Koreki de Chamba, Mandi Junior, Kotoko de Lavier, le Tchadjo Athletic Club de Sokodé, l'Entente de Lomé, Okiti de Balou, Espoir de Zio, l'AS Togoport de Lomé, qui est exempté de ce tour, Bolosu des Lacs, et bien sûr de Maranata de Firpo. Et on parle maintenant de cette historique qualification de l'AS Togoport pour les phases de poule, hein, de la Ligue africaine des champions. C'est jamais arrivé à un club togolais. Oui, l'exploit retentissant depuis Soudan a été donc réalisé par l'AS Togoport de Lomé qui a réussi son entrée en phase de poule de cette Ligue africaine des champions de football. Hier, donc dimanche, le club portuaire a été battu 3-1 par Al-Hilal du Soudan. Mais le club l'AS Togoport de Lomé se qualifie au bénéfice de ce but inscrit à l'intérieur, but inscrit par Kisimbo Aït,
Kessimbo à la 7e minute de jeu. Donc, qualification pour le club portuaire à ce stade de la compétition. L'Est Togo Port de Lomé qui valide ainsi son ticket. Une première pour un club togolais qui va donc disputer les phases de poule de cette compétition. À noter que le tirage pour la construction des groupes de la première journée de la phase de groupe débute le 4 mai prochain. Mais notez que à ce stade de la compétition, également, quelques clubs se sont qualifiés pour le prochain tour avec bien sûr, l'entente Sétif qui a pulvérisé Adjona Star sur le score de 4 buts à 0. On notera que ce tirage aura lieu le 4 mai prochain. On suivra tout cela avec précision. Puis, est-ce qu'on a quelques résultats des autres compétitions enfin, Oui, on va en parler de du championnat de France de football avec la clôture de la 30e journée et le choc des Olympiques qui a tourné en faveur de l'Olympique lyonnais devant l'Olympique de Marseille. Score 3 buts à 2, un but à la 90e minute de DP et Memphis qui met fin aux illusions des Marseillais. Donc le choc des Olympiques qui a tourné à l'avantage de Lyon. Lyon qui revient à 2 points de l'Olympique de Marseille dans la course pour les places européennes dans cette compétition du championnat de France de football. À noter qu'en Angleterre, plusieurs matchs ont été reportés en raison bien sûr de la Ligue européenne des champions, mais la sensation est venue de Liverpool qui a nettement battu Watford sur le score de 5 buts à 0 avec un quadruplé de l'attaquant égyptien Mohamed Salah en très grande forme en ce début de saison. Et à noter qu'en Espagne, le Real Madrid qui a retrouvé le chemin de la victoire, le club merengue a battu Giron avec bien sûr un sensationnel Cristiano Ronaldo également au top de sa forme. Oui, il faut aussi dire la belle victoire de Barcelone Football Club. J'allais venir. C'est un petit Bilbao, c'est ça. Vraiment, j'allais venir. Le Football Club Barcelone qui continue sur sa belle dynamique en battant l'Atlético Bilbao. Plus rien ne peut arrêter le club catalan sur la route du titre cette saison. Merci beaucoup. Ce serait un miracle. Hein. Merci beaucoup, Vignon Atikbo. Oh, les informations sportives, surtout nationales, c'est sur Jean-Marie Leblanc cet après-midi à 16h, à 15h, excusez-moi, à 15h. Donc, vous retrouvez toutes les informations. Mon confrère reviendra notamment sur cette qualification historique de l'AS Ogoport. Qui se qualifie donc pour les phases de groupe de la Ligue africaine des champions. Et c'est la fin du Taxi Média Show de ce lundi. Aujourd'hui, c'est le 19 mars 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Adia Prospect qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afanyangwe pour la suite et la fin de la matinée à 9h. C'est la salle de rédaction que vous retrouvez pour le bulletin d'information à 9h10. Joël Roniglo, le journal à 9h. Et puis, je vous retrouverai un peu plus tard à 11h avec mes confrères où nous reviendrons sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la géniale radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.